يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Comparé à des autres mois, nous remarquons vraiment une grande différence. Tu
ce qu'il nous fait dans le Ramadan, il répile à sa façon que le chef peut faire par contrainte, ou bien pour quelqu'un pour m'aider qu'il peut faire, ou bien quelqu'un le peut faire, par amour, Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabba. C'est un mahabba. Right? Et Ramadan, le dad ici, Ramadan, le dad avec le alif, représente le dad avec le alif, dan, le dad avec le alif représente ce qu'on appelle Dhamman Ramadan, la justice de Ramadan. Dhamman, Dhamman Ramadan, c'est-à-dire ici la justice de Allah, subhanahu wa ta'ala. Une justice extraordinaire de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, un cadeau extraordinaire de Ramadan qui chaque acte qu'il le fait, nous gagne doublé ce soir. Par exemple, lecture de l'Al-Qur'an al-Karim, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih, qui est Rawahu al-Tirmidhi. Si pour un harf, nous gagne 10 hasanat. C'est ce qu'on appelle Hassanat, c'est ce qu'on appelle Nidhi. Alors, 10 Hassanat. Alors, on dit Alif, Lam, Mim, combien on est? 30. Dans les jours normaux, dans les mois pointimes, on appelle les mois autres que Ramadan, quand on dit Alif, Lam, Mim, si ça 3 mots là, ça 3 lettres là, combien ça va qu'on gagne? Hein? 30. Dans Ramadan, combien on gagne? Dans Ramadan, nous gagnons 60. Et attention, ne pas faire péché dans Ramadan parce que c'est si vous. Alors j'appelle ça l'injustice. C'est ça l'injustice. Hein? Attention, ne pas faire péché aussi parce que c'est l'injustice. C'est si vous doublez. C'est y être. C'est si vous doublez. Au contraire de Hassanat, c'est y être. Et Noun, quand il termine avec Noun, on va aller voir un cours qui explique nous, Alhamdulillah, Noun c'est Nourullah. Noun c'est Nourullah. Quand il y a Ramadan, on a trouvé finalement en lui-même le mot Ramadan, il est expliqué en lui-même. Premier, Ra, Nara, Ra, stands for Rida. Agrément de Allah. Vous êtes venu voir bénéficier de l'agrément de Allah, subhanahu wa ta'ala, Ramadan. Mim, Mahabba. Dad et Alif, c'est Daman Allah, ce qu'on appelle Daman Allah, qu'on appelle la justice de Allah. Et en même temps, Noun, c'est Nourullah, qui est l'illumination, guidance de la part de Allah, insan, accueillir ce qu'on appelle guidance, accueillir ce qu'on appelle Hidaya, accueillir ce qu'on appelle Taqwa. Et la Noun, Noun, تقوم في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور دل نافي نور دل فيجير نور دل فامي نور دل نكاد نور دل موانا من منزول لا بباري سلا ميت بباري موانا بباري ناني بباري دل موانا ليس كيس سبيشال that's why it's نور الله فكما من فسرين كاستان ولا كلهم الحمد لله سبا حديث Ben, nous fassirons une fin classe à Koulou pour que nous nous réfléchissions de trouver la beauté de Ramadan. Alors, quel est donc le but de Ramadan? Quel est donc le but? Qui marque ça? Qui est le but de Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, dans le hadith Qudsi, qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, qui Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, Hadith Qudsi dit toute bonne action, toute bonne ibadah qu'Ibn Adam peut faire, il est pour lui-même, et certainement vous pourrez compenser, mais Ramadan, vraiment, ça c'est moi qui l'ai compensé, et il ne va pas le dire. Allah va le révéler qui se récompense. Allah va le révéler qui se récompense. Ça pour moi, ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça c'est à moi, Ramadan. Quand nous guettons, qui nous permet de comprendre quoi ça? Par exemple, ma frère Ansé est arrivé, il dit une question salat, que la fin de la masse, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder nous ce qu'il appelle l'ikhlas.
la sincérité. La sincérité du cœur ne demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous implore Allah avec sincérité, wa alaykum as-salam. Nous implore Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla la sincérité et nous en même temps nous implore Allah pour qu'il ne parvienne nous faire aucun man ibadat pour l'hygiène du monde. C'est ce qu'on appelle le riya. Et ça parmi mon grand droit qui nous a dit maintenant Allahumma inni a'udhu bika min al-ri'a'i wa takabbur. Parce que suivi de ri'a c'est takabbur. L'orgueil. Et pas uniquement avec sa ri'a an-nas. Arrêtez, cherche dhikrun-nas. C'est-à-dire arrêtez, cherche dhikrun-nas wa yakunu 'inda Allah ghayr hamid. Sinon, dans la considération du jugement de Allah, nous, Allah il n'y a pas de place où il n'y a aucun agrément de la part de Allah. Mais comme ça même en salat, quand on ne peut pas signer une ramasse, il y a sincérité là-dedans. Il faut essayer, il peut faire le maximum. Mais arriver à un moment donné, il y a, sans qu'il ne peut accuser personne, je peux dire moi-même, vous prenez un coupable là, je peux causer. Je peux faire salat trois fois, des fois, peut-être, je peux quitter, mais. Hein, vous pouvez relire 5 minutes de ma zette et de vous amener de ma la fusion pour lui. Ou bien ça va aller directement faire mon akat un peu plus long. Un peu plus long, mon akat un peu plus long. Et là, qui peut lire le Coran, vous mettez que ça, vous pouvez lire un petit sachet de la voie l'eau, alors vous pouvez lire les gens de la voie fuir, alors les lire plus. Ça veut dire plus. Alors ça va quelque chose là. Ça va quelque chose là. Il peut faire ça. Rien à Nas. Zakat. Nous avons le long hadith dans Sahih Muslim, c'est pour ça parmi les premiers à juger. Man ulama, man qari, un poiron, bien sûr ça. Même le chef de la famille dit un petit poiron. Allez, si un petit poiron ou la cara, ça n'a rien de petit poiron. Un grand problème ça. Un qari, petit poiron, kitab Allah, kalam Allah. Alors il est arrivé. Et il me dit Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en a qui vraiment fait une propage à din, qui s'en a vraiment fait lire le Coran rien que pour mon agrément, tu vois, j'avais considéré dans notre contexte de moi. Excepté pour te demander, pour la sœur de Anna. Je fais ça pour un décronas. Dans un hadith, soyez musulmans, vous trouvez encore qui celui qui vient dépenser, qui s'avait dit là, vraiment, il vient donner. Il vient dépenser, et si on appelle les petits mamans à côté finance, il vient donner vraiment rien que pour l'agrément de Allah, pour rechercher l'agrément de Allah. Subhanahu wa ta'ala, il vient même temps dépenser, et Allah lui dit ça, va peut-être demander, peut-être une bonne catégorie pour un petit demander à sa double. Ça te fait donner, vous montrez toi même un billet, tu vas nous les appeler, ça va te demander, et là, vous avez fait un billet, là, vous m'avez fait te donner. De bien de donner, vous donner, de donner plein de pouces là, vous avez tout trouvé un gros billet. Parce que celui qui donne un gros billet, assez le plus. Il y a une difficulté pour le billet, il y a un peu grand, pour moi, donc il y a un peu de temps, et puis il y a un peu de temps. Astaghfirullah, Alhamdulillah, mais c'est quelque chose qui est réalité. Hadith Ali, il a dit qu'il donnait rien que pour les trésors menés, et ça va être. Sentiments dans l'air, content. Il y a une own satisfaction. That's the Samia. Et Rasoul alayhi salatu wa salam dit Iyakum shirk al-ashar. Maman shirk al-ashar, ya Rasoul Allah. Fais attention avec shirk al-ashar. Le petit polythéisme. C'est quoi le petit polythéisme, ya Rasoul Allah? Al-Riya. La simulation de faire des choses pour les yédim. Dimoun. Et parmi vous, il y a un autre qui est un shahid, un martyr. Il vient un titre d'être un martyr, un shahid, dans le sens altruissant de bataille, donne sur la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Et même ça aussi, spécifiquement, ils font partie de sa catégorie. Là, qui c'est là qui vraiment donne sur la vie? Rien qu'en cherchant mon agrément, et beaucoup pour une petite montée à ce bout-là, parce que ça va aller pour une petite brave.
Ça va, tu as l'écouté un petit qu'il faut. Mais il ne peut rien avoir comme la Subhanahu wa ta'ala. Ça peut dans l'enfer. Alors, dans tout ça, la salat, zakat, hajj, et n'a pas le hajj, pour gagner un petit hajj. Il est content, il est content, il est content, hein, il est content pour moi. 10 fois, on finit avec ça, 20e fois, il est là. Fais connaître. Quand on dit Hajj obligatoire, combien de fois? Si elle n'a bien vécu 20 fois, alhamdulillah, 3 fois, alhamdulillah, 60 fois, c'est alhamdulillah. Mais peut-être 50 minutes, c'est une chose qu'on va voir. Enfin, subhanallah, on avait dit, mais c'est moi, t'as plus de moi, c'est moi, vous pouvez faire Hajj, on a dit Hajj, alors c'est à cela de la nouvelle question dans l'islam, subhanallah. These are bid'atun sayyi'a. Hajj, il y a un délire. Muhsinin.
الله جل قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله جل لنبلوكم أيكم أحسن عملا. Quand j'ai l'emphase et l'insistance sur l'ihsan, that's what Allah wants from us. C'est al-ihsan. Don't be limiting yourself to be only a Muslim. Don't limit yourself only to be a mu'min. Go further, inshallah, Azza wa Jal. Ihsan. Because pain and Sylvia say, إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَارِبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَارِبٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Là, il commence à be Muslim, be mu'min, but go further. Al, please. Recherche l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même hadith Qudsi, un Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit mauvais serviteur, mauvais adorateur, à part ban faraïd, à part ban obligation qui nous fin impose nos lits. Qui imposé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. À part ban commandement, ban faraïd, ban faras qui nous fin impose nos lits. Les continuer, les persévérer, les persister, les go further, les pas aller là, les se remplissent encore. Les go further. À travers un surérogatoire maintenant, Nawafil. Les faire en plus, rien que pour l'agrément de Allah, pas pour l'insan. Les aller en plus encore. L'insan, il cherche la perfection. Il y a même plus qu'il y a de Allah Azza wa Jalla sur l'agrément. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à qui moi, Rab, me soutenir ici avec qui il était. Jusqu'à moi, Rab, me soutenir les oreilles avec qui il est. Tendez. Jusqu'à moi, Rab, soutenir son ami avec qui il va. Il trappe et il touche. Moi, Rab, soutenir les pieds avec qui il marche. That's the sting of Ihsan. Et qui prend une meilleure définition de l'Ihsan, si ce n'est la définition de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, quand Jibril alayhi salam dit « Akhbirni adil l'Ihsan, ya Muhammada » Raqal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Majibu min ghibulni al-Ihsan » Ihsan, c'est quoi? C'est qui tu adores Allah. Un ta'bou d'Allah. Qui tu adores Allah. Qui raison Allah fait créer nous? Un petit moment dans le domaine. Informe-moi à propos de l'Ihsan. Écoute bien, Jibril qui dit informe-moi à propos de l'islam avant de d'abord. Akhbirni à l'islam. Il dit aux adorations. Non? À l'islam. Un tashhad an la ilaha illallah. وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. That's what the answer. بان كوز عبادة فين كوز سلمان بلية فين جابي. الإسلام تقوى. بان كوز عبادة. فين كوز بإيمان تقوى قويانس. لا قويانس على قيدة المسلمين. إيمان مفصل. أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. من كم في كوز عبادة؟ وتو صلاة تسكي في كوز لنا صلاة روزة عن سلاسة عبادة. من كم في كوز إحسان؟ كم في كوز إحسان؟ The third level كان لا وانش from us. The third level كم في كوز لا في كوز عبادة. الذي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه ونجع عبادة الصلاة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم is talking about إحسان. أن تعبد الله كي تعدو الله كأنك تراه كم سيتو بتروف الله فإن لم تكن تراه certainement tu pas trouve الله فإنه mais certainement لي الله يراك بتروف. Adore Allah in a state of absolute consciousness. Not only the knowledge of Allah, but the knowledge and the consciousness of Allah. That the state of the man, since l'âge de l'homme, quand il rosa, peut-être il va finir à percevoir, malgré le normal, ça a été bon et garde, nous été, mais nous avons goûté un chigin, c'est quoi, Ihsan, dans le monde. Parce qu'il compte tout seul. Et ou abstenir de sa désir là,
ou abstenir de toutes ces passions-là, ou abstenir de tout ça, evil là. Subhanallah, that's ihsan. Why? Because we're in l'état de conscience et de connaissance dans Ramadan qui va parler en dehors de Ramadan. Ou dans l'état de conscience et connaissance de Allah, de Adil al-Islam, dans Ramadan, qui va parler en dehors de Ramadan, c'est sûr, ça va le faire. Mais si seulement les musulmans pouvaient être pareils en dehors de Ramadan. Et quel est le but de Ramadan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أو من دين إيمان يا أيها الذين آمنوا أو من كن convaincu de sa six articles de foi إيمان مفصل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم في كمانز في بريسكريبنوز الصيام. Ici, specifically, he's talking about the Siyam of Ramadan. Ici, because the Rosa Ramadan. Because the Rosa unique for us. Si demain quelqu'un te roule Rosa Arafat for us, il dit une bidati. C'est comme une bidati. Si quelqu'un demain te roule Rosa Ashura for us, tu as une bidati, tu as le dalala. Tu dois te mourir. Tu dois. Tu es un égaré, tu mourbules, tu égores les autres. Non. Non. Rosa, ça aussi, tu m'as fait que la vie est répandue à l'occasion de l'église Sharma, profitant de Rosa, durant Sharma, comme un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, tout ça, c'est une affaire. Beaucoup de récompenses, alhamdulillah. Mais seul Siyan, seul Rosa. Seul Rosa qui fera, c'est seulement Rosa de Ramadan. En deux mots, si quelqu'un dit que le Rosa apporte Ramadan qui fera, il y a un mauvais innovateur et un drôle, mourir. On appelle ça un drôle, un égaré qui égare les autres. Un hasard, un mendier, fais attention. Mendier, c'est un degré. C'est un degré faux, ça. Right? C'est exactement pareil quand on dit assiste la main, c'est obligatoire. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Le film prescrit à nos autres, Rosa et Ramadan. Kama, pareil. Kutiba alalladhina min qablikum. Pareil quand je dis prescrit à Rosa et Ramadan qui est avant eux. C'est-à-dire à un peuple qui avant nous aussi, qui a un commandement de la part de Allah. Et ça, il commençait à porter ce qu'il y a à Adam lui-même, alayhi salam, le 13, 14, 15 de chaque mois. C'est qu'il y a à Adam, alayhi salam, tu observes Rosa, on appelle ça Ayyam al-Bidr. Comment on appelle ça? Ayyam al-Bidr, pas avec Baydou, bon, blanc. Voilà, c'est le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas tout le temps, mais souvent tu observes 13, 14, 15 de chaque mois. Pas tout le temps, mais dans une année, bien souvent. Vivement, tu observes. Ça, c'est un sunnah de Adam alayhi sallam, où il faut le sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'éliminablement dit si vous le faites, nous gagnons, ça va. 13, 14, 15, Ayyam al-Bidr. L'exemple, Rosa de Seyyidina Daoud alayhi salam, Enzoubadé. Mais comme les gommes, en avance de possibilité à l'ordre d'Allah, mais nous concernant Sharia, Risala, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est aucun d'autre de tous ces Rosa, excepté Rosa de Ramadan. Mais qui fait fin de nous, ça, moi, Ramadan? Réponse, the answer is Quran. La'allakum tattaqoon ayyuha al-ikhwan. La'allakum tattaqoon, afin qu'ils atteignent taqwa. What is the meaning of taqwa?
Souvent, elle aimera dire ta foi Père Allah. Et ta foi Père Allah. En vérité, le mot Père dans la langue, c'est comme. Et ta foi, ta foi, si nous avons dit un lesson en arabe, nous avons dit sur le bout de la taqiyya, c'est-à-dire dans l'exemple de la, veut dire que c'est absolument ce qu'on appelle un protection. Ou bien un bouclier. Ou bien protection. Ou bien prendre précaution. Précaution, protection ou bouclier. C'est-à-dire tout ça sent quand on met précaution. On comprend. Un qui prend précaution veut dire parfois pas mal. Un qui prend précaution, il m'a pas mal. Un qui met protection, veut dire qu'il peut prendre précaution. Un qui prend bouclier, il peut prendre précaution. Et il met cette protection. Vraiment, c'est. Et concernant dans le langage arabe, parmi les bédouins, quand il peut causer à l'époque, et c'est ce qu'on aujourd'hui certains en comédie, par exemple, pour un cheval ou n'importe quel animal pareil, concernant ce lapin, il mettre un sabot avec lui, tu sais mieux le mot ta croix. Qui mot tu sais mieux? Le mot ta croix, parce que ta croix là, tu vas le dire là. En deux mots, on va dire en créole, tu vas dire en créole, quand tu vas dire, mettre ta croix avec sa cheval là. Quand tu mets pas tes croix, c'est de mettre un tapoir avec sa cheval là. Mettre un tapoir avec sa cheval là, qu'est-ce qu'on dit là? Écoute-moi ça. Vous n'êtes pas blessé. Sa même façon, sa dialogue qui m'en a rappelé, vous avez posé le rapport à l'Inja de l'Ajala ou à Manawal. Elle a dit ce qu'on a dit, elle a dit ce qu'on a dit, elle 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 a dit, mais quand on peut mettre un sabot, il t'a pouvoir précaution. Prends sa protection là. Prends sa précaution là. Et pour moi, l'imam, quand on dit qu'il y a un sauveur, il y a un sauveur, il y a un grand livre, un grand livre, un grand livre qui me dit, d'ailleurs, on recommande tous, si je suis capable de lire sa livre là, à Shiva. Concernant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit qu'il y a le maliki, le grand qadri, le grand juge, maliki, dont il dit, qui le mot taqwa, et dire faire tout au maximum, faire au maximum de vos capacités, au maximum et sincérité du cœur pour gagner l'agrément de Allah. Et dire prendre toutes précautions nécessaires pour gagner l'agrément de Allah et prendre toutes précautions nécessaires pour ne pas échapper à l'agrément de Allah. Prends toutes précautions nécessaires pour gagner l'agrément de Allah et prends toutes précautions nécessaires pour ne pas échapper à l'agrément de Allah. Dieu l'a dit. Et définition de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa Allah. C'est en action, en démonstration. Quand il veut dire ta foi, c'est exactement pareil qu'il te fait mettre une longue lance qui a ses l'os, il va pas coller sur les peaux, qui a ses l'os, et il y a un champ qui devant toi, il y a plein qui campe. Et tu es obligé de traverser cela pour toi atteindre ta destination. Si tu ne prends pas précaution, quand tu traverses, ça va te dire qu'on a coupé toi, soit tu as un mot, soit tu peux briller, piquer, tu peux t'asseoir en place. Que vous pouvez tirailler de l'aise, vous décider de revenir en place. Alors, quand tu traverses dans sa chambre, que tu veux bien faire, tu prends précaution, que c'est de l'aise, tu prends précaution de l'aise, tu vas te guider bien que tu veux l'aise, pour qu'il te réussisse à arriver dans la destination là. Mais ça sent piquant là avec les dunias, mais l'aise, ça traverse ça. C'est moi de l'aise qui s'est traversé. Pas dire qu'on est gagné, on va dire qu'on a besoin de montagne, on a un petit peu de l'union, on a besoin de montagne, on a un parcours. Non. Non. Within Picola, je cherche pas vraiment de l'autre, subhanahu wa ta'ala. Ouais. Ça, c'est une définition, et beaucoup de définitions en cours de ta croix. Alors, ta croix, c'est pas père, Allah. C'est prendre sa précaution pour faire tout pour gagner son agrément et prendre toute précaution pour faire tout pour ne pas rater sa agrément. De la part de Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est la raison de siyam. Parce que, m'aurait dit un insan, dans Ramadan, sur l'état, the state, the spiritual state. Il n'existe pas pareil. Et la'allakum tattaqoun, et Allah subhanahu wa ta'ala, le place dans le Coran, le Karim de nous, inna akramakum indallahi. Veillez parmi eux la considération de Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, et celui qui est la plus taqwa parmi eux. Celui qui est la plus taqwa parmi eux. Sayyidina Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, le grand tabi'in, le grand wali d'Allah, le grand juge de Basra. Une fois qu'il traversait, quand il traversait dans Ramadan, si dans Ramadan, quand il traversait, il trouvait une bonne partie, une bonne équipe, rien pour vous, comme s'il se comportait pareil comme en dehors de Ramadan. Sa bonne place, il se comportait d'une façon pareille, comme on dit, en dehors de Ramadan. Il n'a pas fait rien, mais transformé, rien. C'est une Hassan Basri, dans cette plus rapide. Je dis, elle bosse une ménine. Bon, on va aller pour me sortir. Tout arrêter. C'est une Al-Basri, il est un mauvais souper. Voilà son parole, il est un mauvais souper. Comment, dans un moment pareil, qui dans l'Ummat et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et une banque qui veut faire compétition, qui s'en a ce taqwa pour mon plus, je te veux faire compétition, qui s'en a fait. Des anglais. Dès le moment qu'il y a une compétition, dès le moment qu'il y a une compétition, ta foi a le plus, je te mets une compétition, ta foi la bête, mais ce qui est minimum, ça, il n'a que tu es réveillé à la part, ça veut dire. Il n'a que l'homme qu'on a une d'Allah, et celui qui est plus honoré, plus honorable dans le jugement de Allah, et celui qui n'a plus ta foi, ça, ce sont voilà les compétitions qui. Mais moi, pour moi, pas combien je vais vous montrer, pas maintenant, puisque la fin finit, fait le passage. Mais vous allez comprendre la sagesse, parole de Seigneur Hassan al-Basri. Alors, il y a un moment qu'il y a une compétition de combat. Cet esprit, peut-être que c'est un moment qui, que tout m'est profité. Ça n'a pas de dire pour l'un, ça n'a pas de profiter, il va prendre un ding, ça n'a pas de profiter, mais profite au maximum, même s'il peut travailler. Mais il peut travailler, il y a de l'État, il y a de ça. Même de ce travail, il y a même l'État. Il y a dormi avec un autre l'État. Il y a normal qu'on dormi, il y a même alors, on se fait déjà le matin, il doit être. C'est dimanche. C'est dimanche, on se fait déjà le matin. C'est hier, parce que la nuit, par contre, c'est pas mal, c'est dimanche, il parle là. Maintenant, dans mon âme, alors, on a automatique. On donne le même alors, on a dépensé. Le state of the insan. Pourtant, même insan. Pourtant, même insan. Ça veut dire que c'est passé dans un moment pareil, là, il y a une compétition. C'est-à-dire, au moins, ça qui vous met tout dans sa forme, le sa Coran, là, il n'a pas de comme un d'Allah et à quoi, c'est à quoi. Et bien sûr, vraiment, lui n'a par la grâce de Allah, bini'matihi, par sa grâce qu'Allah accorde nous, la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala dans Ramadan, et une grande facilité créée pour nous. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Ila ja'a Ramadan » qui quand il arrive, Futihat abwabul jannah. Allah ouvert les portes de Al-Jannah. Ouvert les portes de Al-Jannah. Pas ouvert un seul la porte abwab. Puis ouvert plusieurs portes. Tous les portes de Al-Jannah est ouvert. Wa ulliqat abwabun nar. Et Allah fin ferme, fin ordonné
ferme la porte de une commande, on ferme la porte qui était une ordonne pour fermer la porte de l'enfer. Les gens qui ont fait ces choses, c'est tout ça. Là, Maurice, disons, d'une certaine façon, dans l'hiver, on va le problème, on va revenir à une fois de sortie d'hiver, mais que Maurice, on va dire, on s'en tient bien l'hiver. Mais sinon, faire comment dire, si l'été peut faire sûr. Ça y est, la commune capable de les temps pour l'autre, ça la commune capable de 15 temps, 16 temps. Est-ce que nous sommes tous affectés? Est-ce que nous sommes tous affectés? Nous sommes en train de finir de la barca. Du fin de la barca. Qui dit l'hiver? Qui dit l'été? Inch'Allah, nous pouvons garder comme ça. Yes or no? And we feel the baraka. We feel the rahma. Le frère du ciel qui est au Canada là-bas, je ne sais pas qu'on est 19 ans, on ne sait pas qu'on est combien de temps pour aider. Pour garder le temps. Pour garder le temps. Inch'Allah, pour garder le temps. Mais il n'y a aucun problème. L'hiver comme l'été, ah, moi, il n'y a rien pour mon pays de venir, mais là, ça veut dire Canada pour l'été, ma nourrice. Vous pouvez être récompensé selon ni à qui vous venez faire attention, pas fait, ni à qui vous venez des affaires, bien attention, on n'a pas fait. Même pas en patinage, pas comme ça. Non. Muslim, sa soumina, sa personne soumina, il faut garder ce rosa, Inch'Allah. L'homme pas long seulement fait quantité sûre. Dans ce moment-là, on peut carrément les temps gobés à Vishnu Zainou. Il dit, comment tu es capable de faire, vous ne pouvez pas rester sans boire là. Pas pour l'alcool, mais l'eau. Dès que ça s'allait là, tu ne peux pas boire non, tu es capable. Ça fait pas si, mais l'eau. Nous avons au moins un temps de ça poser. Comment je voulais faire? La grosse. Et vous voyez qu'il y a extra, dans la madame, dans les années 50 ou dans la madame, il ne faut pas faire un match 90 minutes. Il faut faire son prolongation, son prix pénal. Tu peux me dire, mais bon, mais pas ce bol. Ouais. Et son prix pénal, tu veux pas gagner ta masse de bol. C'est mal étant de la madame, pas qu'on n'y peut écouter une fille. Par contre, il y a deux, tu comprends, mais dans la madame, pas qu'elle était pour vous dire. Mais comment tu peux faire? Subhanallah, voilà la rahma de Allah. Il y a un contexte, on peut dire concernant Allah, ce qui par exemple, il y a un insan, il y a un plus un peu d'insan, Rabbul Alamin Jalla Jalalu, ou Amman Awalu, à cause de son rahma en abondance. Un aide de la part de celui qui est suprême, Allah, Rabbul Alamin Jalla Jalalu. Les portes de Jahannam sont fermées. Ça s'allait, il va n'a pas fini, nous pas fini, ça. Nous, ça n'a pas fini, nous portes. Mais qui nous fait? Nous fait la rahma depuis les portes de Jahannam. Nous fait le divan de Tel Ferdos, béni. Nous fait le divan depuis Jannatul Na'im, béni. Nous fait dans le divan de Bib, dans le Jadra, tout le ma'ala, ma'wa, pevini, alhamdulillah, pevini, pevini, nous pégayons ça, divan, ça, nous pégayons là. Subhanallah. C'est pourquoi qu'il est l'hiver, qu'il est l'été, on va dire, musulman, il faut parler de votre monde. Mais encore, parce que la porte de Jannah est ouverte, la porte, par la porte de Jannah qui est fermée, النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا الرواية دي والسلسلة الشياطين وما وغلي وما صفدة الشياطين انشان بان شيطان اي بان شيطان صوت انشان انشاني سنو ici امام النووي عليه الرحمة رسول الله شرح صلى مسلم مسكيكي من ابن حجر الاسقلاني دي quand il y a des chayatrines ici, c'est cause les grands chayatrines. Qui sont enchaînés?
pas mon gars. Rien de la peine. Pas. Le nom de mon bébé. Kalimada. Kalimai. Les gens qui l'appellent en vérité, ça m'a dit. En vérité, vraiment, ça m'a dit. Il n'y a même pas de temps pour nous t'envoyer les gens. Alors, ça en vérité, tu me dis. En vérité, tu me dis. Le Gomuruga, Kalimai, Kalimata, Pandé Siva. Tu me dis, tu vois. Capable de comprendre sa couleur.
Ce sont les grands shaitans qui sont enchaînés, mais les petits shaitans, si on nous fait soumettre à eux SMS, je vois ça, ça élimine une habitude chez nous. Qui est le bizin, c'est pourquoi qu'insan, il disait qu'il devrait faire tout pour changer. Il disait que le maximum des efforts cherche l'aide Allah pour changer, pour améliorer, à cause de ça, pour l'âge aussi, à cause de ça, pour comprendre. Sinon, on ne peut pas faire personne dans ses égards profilés. C'est l'amour Allah, subhanahu, nous rencontre, nous moulaqat, nous rencontre, c'est l'amour Allah, subhanahu. Et quand nous sortis, il y a un message, vous entendez, Inch'Allah, sa pièce nous requiert à faire l'effet pour Inch'Allah. Alors, Ramadan, il y a un moment aussi, quand un petit chose qui est extra important, qui appelle caractère. Il est développé, il est changé, il est amélioré chez le musulman, chez le soumis. Chez le soumis, le caractère. Nous avons un training pour ça parmi les commandements qui dansent de Sayyidina Muhammad et de Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est As-Siyam Junna. As-Siyam, il y a un bouclier. Voilà, je veux dire, il y a un bouclier, il y a une armure, il y a un bouclier. Faïda kana ahadukum sa'iman, et si il y a un parmi eux qui, quand je fais garde rosa, fala yafou. ولا يجهل فإمره شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. Même si un démon dans un moment donné peut insulter vous, même un démon peut être injuste vis-à-vis vous, même un démon peut être rabaissé vous, pousse-vous pour faire colère, et colère, et vous qui vous faites, vous vous êtes inni صائم. C'est un autre rose, mon père Colin. Même un ami, c'est Allah, il m'a dit, la tarte, n'a pas fait coller, n'a pas fait coller. Quand un timon fait coller, quand il rentre dans l'état coller, qui est recommandé de faire ça? Il est recommandé qu'il y ait pour un père de l'eau, et il est recommandé qu'il y ait fait was. Un hadith qui est daïf, que Rawal a dit à Bidaou. Bien que Hadith soit daïf, la majorité de tout le monde a fait cause. Il dit que le shaitan a fait un crédit avec un autre. Mais le temps est fait avec des loups. Et c'est le shaitan qui pousse l'homme pour faire le colère. Et puisque le shaitan a fait un crédit avec des loups, il dit avec des loups. À cause de ça, il a offert. Le contenu, il y a. Là, il y a des un point très important, si le cas c'est pourquoi je connais ce soya, la cause m'a fait des moutes à ça. Inch'Allah, à travers les son fiqh dans le régime, parmi les obama, mais Inch'Allah, avec les dadlas, Inch'Allah, le Kabouli, Alif Skaya, Inch'Allah. Lakin, la cette préparation, et voilà, nous laisser vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, permet la porte, une guidance de un parmi le manchèque. Un parmi le manchèque, un parmi les grands des grands. Les grands des grands, les éminents. Alhamdulillah, Imam Abu Hamid al-Razali, dont l'auteur du livre qui s'appelle Ihya al-Ulum al-Din. Dans ce livre, Ihya al-Ulum al-Din, ça finit dans le cadre de ce qui nous a posé là, ça bout là, il y a une bout qui tourne dans le livre qui s'appelle Ihya al-Ulum al-Din. De l'imam Abu Hamid al-Razali, connu comme le Ghazal. Right. Vous connaissez aujourd'hui des quantités d'infiltration, comment dire, mouchriquin, filina, dans le monde, beaucoup de problèmes, il y a un grand problème technique, avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, améliorer, Allah aide nous à purifier, mais sinon, il y a un grand problème technique, même nous, on a beaucoup d'affaires. Un simple exemple, on peut donner la boîte d'un coup d'arbre, la boîte d'arbre, pas de boîte d'arbre, mais c'est un nickel, mais c'est un bon ticket de l'autre, c'est un bon ticket, c'est bon. Nous ça n'a pas rien à dire. Quand vous rentrez, mettez un petit guide, disait, tu ne fais pas de guide, tu ne fais pas de guide, tu tapes, tu pilas, tu lis, tu fais. Et où là?
bien gardé, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Si tu as une information sur la mouche qui est en train de se faire, parce qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire, dans le monde, même des Arabes qui étaient dans le monde, ce qu'ils appellent l'Occident, ce qu'ils appellent la mythologie grecque. Je t'entends un petit peu la mythologie grecque, Zeus, Apollon, Poséidon, ceci, cela. Ça, c'est quoi infiltré dans la mouche dans cette époque-là? C'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Qui fait un dessin qu'on appelle Aristote et Platon. C'est lui qui fait un dessin dans le chaos. C'est une personne comme ça, le côté de Mamadou Hamid al-Hazar. Une personne pareille, Rahimullah, il est connu comme Hujjatul Islam, un parmi les autorités islamiques. Voilà ce qu'il veut dire. Nous lisons le jeûne comporte trois degrés. Rosa, il y en a trois degrés à ce stade. Ça dépend des causes, de l'aspect spirituel, de ce qu'il y a, qui concerne les guerres, qui concerne l'eau, qui concerne l'état d'âme, spiritualité ici. Et des rosaires, il y en a trois degrés, dans la inner sphère. Qui nous met causer là, c'est ça, l'état inner. Qui l'état, mais des rosaires, il y en a trois catégories. Qui première catégorie, c'est ce qui nous appelle rosaire, qui nous appelle tout ce qui est normal. Qui nous contient sur le rosa, c'est les gens du commun, ce qu'ils appellent le normal. Alors c'est quoi que le rosa? Il consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels. Par cette privation, grâce au jeûne, le mu'min se rapproche de l'agrément de l'Allah. Ainsi le cœur se libère pour la méditation et les invocations. Parce que ça s'arrête là. Right? Un mécanisme. Pourtant, c'est un truc que je me posais là, c'est un mécanisme où ça lui paraît qu'on se lit qu'il a fait salade. Après, pas qu'on pose salade avec le yoga, ça va nous faire. Alors, c'est un peu comme ça. Sûrement, on va dire attention, qui va dire que nous, on a fait cette physique de l'éducation, mais on va être invisible, pas non, il va dire. Alors, c'est ce mécanisme, alors, pas manger, pas boire, pas rapport sexuel, pas de monde, mais si tu as dit plus taquilla, les bons sens d'esprit derrière. Après, là, on prend le ticket. Alhamdulillah, that's good, fine. Alhamdulillah, that's good. This rosa exists. C'est un qui n'a plus de couleur. Mais, Nina, Mohamed al-Razami, non, rien, il y a un ticket qui est loin d'après. C'est pas un crime, ça, non? Voilà ce qu'il continue. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma mala'a ادمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن ادم وكلات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كم يجي في سبع مرات alors qui dit le fils de Adam alayhi salam nous les enfants de Adam alayhi salam nous qui l'avait jamais pas fait de remplir le récipient plus pire qu'avec tant. Jamais ne fait remplir le récipient qui est plus pire qu'avec tant. Quand la vie sont là, allez, c'est un hadith. Vent. Quand on dit quelques bouchées, il dit suffit pour qu'il compte sur la santé. Après, il y a un grand cousin, vous connaissez, un cousin, il y a un petit bout de côté, à côté. Quand il y a un petit bout de côté. 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 Donc, tu comprends? Alors, finalement, Rasoul Allah, quand on dit quelques bouchées, il dit suffit pour qu'il dit qu'il y ait une bonne santé, qu'il tire une bonne santé. Au cas qu'il utilise un manger ici, quand il sentit le manger, au début, qui peut passer ce message? Qui message peut passer? Manger quand vous faim. Quel message? Et le message que c'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous avons fait ça. Manger quand faim, pas manger quand il y a un guidi dans la bouche. Ou pas faire faim, mais excusez mon nom. Il y a un guidi dans la bouche. Même qui m'a causé participer, il y a celui qui m'a causé, il y a tout même partout, il y a une femme qui m'a causé. Il y a un guidi dans la bouche.
existe une envie de manger, existe à ce stade si on une buffet ouvert. Si on fait un buffet ouvert, un massacre, on va les amener à notre ami. Et vous voyez que le massacre, c'est un peu dans l'allée dernier, les gens dans le mina. Ya salam. Les gens dans le tiers pour gagner le fromage, pour gagner le chibé, les gens venir. Comment dire ça, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, les gens venir, 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 les Faire un buffet ouvert, ma sœur, vous connaissez. La dimanche, je ne peux pas faire un buffet ouvert, parce qu'il y a le grand mauvaise. La dimanche, elle est très sûre. La dimanche, on vient de lui même buffet ouvert, et tu as un moment, elle capesse, un moment destiné pour lui. Le plus bien, c'est un toi. Allez, alors. Un ami, sallallahu alayhi wa sallam, passe un message, un manger quand vous faites. Boire comme soif. Et si vous faim et vous soif, mangez un tiers. Boire un tiers. Et garde un tiers pour l'air. Combien de cœurs? Il y en a quand il mange, il va trop joli bien à cause du vent. Il y en a 6 et 11 ans. Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mange un tiers. Boire un tiers et un tiers garde vous. Mangez quand faim de manger, quand soif de boire. Qu'est-ce que c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous l'emblème, c'est pas des. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jamais tu es connu pour être un grand mangeur. Ou un grand buveur, au contraire, jusqu'à ce que tu racontes. Et sous, quand tu as mangé, tu as dit un rose, pas oublier le rose, tu as dit des roses. This is in the Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il va pas dire que ça veut dire que tu es physique. Nous pensons que nous avons beaucoup de minfo. Et maintenant, nous avons un autre outil. Allah protège nous. Alors ça ne dit pas, mais par contre, quand ça est, si nous suivons ce qui est dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous, si nous mangeons quand faim, nous boisons quand nous avons soif, et quand nous mangeons, quand vous avez mangé, nous mangeons un tiers, bois un tiers, et quand vous avez un tiers, Inch'Allah, nous avons meilleure santé. Inch'Allah, nous même physiquement, plus fort, Inch'Allah, Azza wa Jal, et Rosa, les époux qu'on pense, ça va nous dégager. En vérité, Allah, dans son miséricorde de toute éternité, dans sa décision qui met dans quel début, Allah Azza wa Jalla vient accorder nous Ramadan Mubarak pour qu'il y connaisse nous une somme, même fané, même nous. Mais c'est mal de nous, ça vous fait la balance, nous qui nous fait ça, comme ça. Complète dans Dieu. Et il faut que tu aies un salam.
Et tu me dis, mon père, il comprend. Il me dit, mais mon père, il comprend. Il me dit, mon père, quoi, Christ? Mon père, il comprend qui fait. Mon père, il me dit, mon père, quoi, Christ? Mon père, quoi, Christ? Mon père, comprend, non, il y a un aspect de l'enfant. Il me dit, alhamdulillah, il y a un truc, 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 il y a action qu'il est fait.
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Allah n'a pas besoin que vous priez vous de nourriture et que vous priez vous de boissons. S'il n'a pas arrêté sa bonne mauvaise conduite et ne pas contrôler la langue, Allah n'a pas besoin ça vous a. Vous pouvez vous rouler dans le dans le prochain message de la part de Seyyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en dernier, le jeûne de l'élite. De l'élite. Pourquoi cette façon de me voir mon camarade qui a fait plus ça? Élite de l'élite. Là, c'est une chose, what we are trying to say, but stay healthy, comme ça. Le monde sait. Nous commençons à cause de l'autre qui sont les personnes. Un monde s'est né. And that's the point. Il s'agit du jeûne en plus des deux sortes d'abstinence. La technique précédente, mais le jeûne du cœur. L'équerre, c'est comme ça. Ici, c'est une Abu Hamid al-Mazari, Moustar, voilà ce qu'il transmet par nous. C'est qui l'équerre, là, ici, les rosa. Comment l'équerre, les rosa? L'équerre, les rosa, on appelle ça Zoub. On appelle ça Zoub. En deux mots, ça même. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم allongé en bas et là un palmier ou bien une branche de date ou de palmier ou bien date whatever it is. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم allongé en bas le sol en bas. Vous trouvez que le rasoul est allongé ou quelqu'un comprend ça comme l'homme de David. En bas, Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fait annoncer en bas, quand il n'avait certaines places qui venaient d'exploser de ce décor, un Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Seyyidina Omar ibn Khattab, il trouvait que ça lui fait un grand emboc. Faites maintenant si le sofa vous êtes à par exemple. Ou bien qu'il se met une rue à prier. Vous voyez maintenant? Il y a un gros remords quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Seyyidina Omar radiallahu anhu, ça, Seyyidina Omar radiallahu anhu, veut dire, les hurler, les pleurer, les crier fort, les pleurer, les derrière, Rasulullah César, le côté lui. Il a un drôle en haut. Il va faire des annonces en bas. Il va faire des difficultés que toi tu peux gagner. Mais si toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu oublies que la pousse, péninsule d'Arabie nous est soumise à toi, tu es le roi qui a sous le corps. Qui fait être bizarre? Fasse sa misère là. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya Omar, qui est-ce qu'on a fait avec ça? Qasruna, laïsa fina min dunya. Nous parler ni pas trop de ça, dunya. Qasru qisruwe fina min dunya. Mais qui serait lui, c'est ça, sur le palais, les troubles de sa vie, la personne, fait le mal. Nous, personne, on peut les trouver. Mais il y a la vie, qui m'en a fait la vie, il y a là, il y a. C'est que quand on y arrive, au maximum, proximité, il peut pas tomber de pied, il s'agit du jeûne en plus des deux sortes d'abstinence précédentes. Celle du cœur devant les basses ambitions. Ça va désir, attachement qui nous a donné. And when you go to school, infuse in you, vous faites une salle. Ça virus qui va infuse in us. Your wants are unlimited. That's what they infuse in us. Il endoctrine nous. Et il vient comme ça, il s'en savait assez. Des isbaudés. Pas bon, n'est plus bon, il y a les mêmes, tout ça, deux. Mais la fin, les gars de Rosa, la fin, les personnes là, il y a le hajj, everything. Attaché. Once has no limit, what they say. Pour les musulmans, ils ont toujours. Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des dunya.
سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضى في المسيح إجابة نجد لي ما لكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لي voilà un mort mais qui vivant. سيدنا أبو بكر الصديق بقى بسيطة voilà un mort mais qui vivant. النبي صلى الله عليه وسلم له مثل الذي يذكر ربه ولا يذكره كمثل الحب والميت. Si vous pouvez comprendre, en fait, celui qui vit un ذكر الله et un qui n'a pas vit un ذكر الله. Pas peut dire ذكر الله plus taquer et taquer. Un qui vit, si vous pouvez comprendre, un qui vit dans le ذكر الله. Je dis vivre. Je dis même pas pratiquer l'islam. Je dis vivre l'islam. Celui qui peut vivre le ذكر الله. Parce qu'il peut dire حي على الصلاة là-bas. Pas peut dire il pratique namaz là-bas. Il peut dire حي le mot hayat. Vive la salat. Vive حي على الفلاح. Vive succès qu'il y a dans la salat. Vive l'islam. Celui qui vit dans le ذكر الله. Si vous comparez à celui qui n'a pas vivre dans le ذكر الله, il est comme si tu peux comparer un qui vivant avec un qui est mort. Et nous terminons le hadith pour aujourd'hui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire Al-Kaïs, do you want to know who is the intelligent? Qui ça veut dire vraiment le clever? Qui ça veut dire le malin? Ça veut dire malin? Al-Kaïs man dana nafsa. Al-Kaïs man dana nafsa. L'intelligent, Al-Kaïs, the clever one. Mandana nafsahu, dana the root word comes, then we have the word of dunya. Dana, dunya, c'est un lourd. Mandana nafsahu, celui qui est intelligent est celui qui domine, qui loue son nafs. C'est-à-dire qu'il domine son nafs, il domine son désir, son chakwa de dunya. Hubbu shahwa, hubbu dunya. Tout ça va me rabattre l'attachement de sa dunya, the delusion of this dunya. Ça nous disait, dit Allahumma ajirna, wa'id, allez, Allahumma ajirna, min hawa et dunya. Min hawa, hey papillon, hawa et dunya. Wallah, sauve-nous, épargne-nous, garde-nous loin avec les désirs et les passions de sa dunya. Allahumma Allahumma akhrijna min adh-dhulumati wal wahm ila ma'rifati al-'ilm wal hidayah aw wal huda wa Allah subhanahu akhrijna tiennu les bidoulumats, les bidoulumats, l'obscurité, while what and the delusion of this dunya. Et la ma'rifat al-'ilm, vers la lumière de la connaissance, la compréhension de la connaissance et de la guidance. Al-Kaïs ou Mandana nafsahu, celui qui m'enlève les vrai businessman là, vrai commerçant là, vrai malin là, vrai PhD là, parole qui m'a poussé à vie. Celui qui malin, c'est celui qui a payé son nafs, qui domine son nafs, ou a amila, il travaille, l'ima, par le monde, ou après la mort. Il travaille dans le dunya. Omar Omar ibn Khattab, radio Allah, on va dire que j'ai traversé, mais ça se sent la même. Mais il malin, c'est dans les bonnes précautions. Mais il a traversé, mais les bonnes précautions. Il travaille dans sa dunya là, pour après la mort. وعمل لما بعد الموت. That's what we would resemble the Muslim in Ramadan. This is what we feel in Ramadan. That's how we should be even outside Ramadan. Inshallah, I'll say that. والعاجز, mais par contre, l'indécis, ou l'incapable, ou le paresseux, il y a plus que les mots traduits à l'islam. Ça n'a pas compris traduit là. L'incapable, l'indécis, celui qui est élevé à Dieu, il n'y a pas de problème qui fait l'île au dunya. Il n'y a pas de problème. Man atba'a nafsa hawa.
il se soumet au Subhan Allah. Il follow Subhan Allah, Subhan désir, après qu'il arrive, wa tamanna ala Allah. Et then he got so hooked on Allah. Et demandez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, nous donne l'hidayah. Sa première leçon de Ramadan est une bonne priorité, premier niveau de l'aspect spirituel, niveau de l'aspect intérieur. Et Inch'Allah, semaine prochaine, Inch'Allah Azza wa Jal, Allah permette nous rendre direct de l'appel Ahkam al-Sawm. Et concernant la Hanafiya, c'est-à-dire, nous voulons nous à Hanafi pour cette fois-ci, Inch'Allah, nous faisons parler des filles, Inch'Allah. Mais là, nous faisons Hanaf. Pour cette fois-ci, je cause mon ahkam et then je te pose une question et answers et vous verrez pas de soutien, Inch'Allah. Vous ne connaissez pas une petite question concernant aujourd'hui, si c'est une petite question qui est en nous souhaitant. Mais le subject que vous avez, le spiritual aspect, the inner, not the outer. C'est une question que vous souhaitant. Inch'Allah, à la fin, والحمد لله رب العالمين.